Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Isra et on se retrouve pour un nouvel épisode de Sky Factory 3. Alors dans l'épisode précédent, on avait fait la forge de Dicker Construct qui se trouve derrière moi. Ouh là, pardon. Et on avait fait une sorte de un petit système pour avoir de la terre automatiquement, entre guillemets, parce qu'il faut que je mette les feuilles à l'intérieur. Et du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré la forge, parce que j'avais pas ceci qui me permettait de faire des lingots. Donc voilà, j'ai terminé la forge, j'ai fait un troisième niveau, comme ceci. Et puis, j'ai eu assez de terre pour faire des plateformes. Alors normalement, il me manque un peu, donc voilà. J'ai fait deux plateformes, on va essayer de fermer ça pour avoir des animaux. Et puis ici, on fera ce qui est ferme. Donc on fera de la bouffe, etc. Et puis peut-être Several Crop. Alors ce qu'on peut faire aussi pour cet épisode, les amis, c'est qu'on peut se faire la ferme à mob automatique. Puisque j'ai assez normalement de sugar cane, de canne à sucre. Donc on peut se faire hop, des punji sticks. Ce sont des pièges. Alors, ce qui va me manquer par contre. Alors, on va faire un hopper. On va se faire un hopper. Hop et hop. Alors, il me reste 4 iron ingots. Je pense que c'est juste assez pour se faire ceci. Une sorte de ventilateur. Ouais, ok, j'ai assez. Impeccable. Non, il me manque. Ah mince. Il me manque des. Non, c'est bon, j'ai de la stone. Il me manque des slabs, donc des dalles. Hop, donc il m'en fallait combien? Il m'en fallait 4, si je ne me trompe pas. Une redstone au milieu et 4 de fer. Yep, c'est ça, impeccable. Alors, ce qu'il me faut... Attendez, il va me falloir un truc. Il me faut ça, des transfer pipes. Il me faut des transfer pipes, donc de la redstone et de la slab, du verre. Bon, normalement, on a tout. On a tout. Où est le verre? What? J'avais du verre ici. Ah, il est là. Ok, donc c'est ça et de la slab. Ah, on n'a pas cette slab, ok. Fuck. Donc on va se faire ça rapidement. Hop. Impeccable. Je pense qu'on va se faire... On va s'en faire deux. Au pire, de toute façon, s'il manque la redstone, il va m'en manquer. Et puis je vais en farmer, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, comme ceci, j'ai un transfert node. Il me manque. Alors, il va me falloir un coffre. Et puis j'ai vu qu'on pouvait faire un coffre colossal. Où est-ce qu'il est? Non. Un colossal chest, normalement. Donc si je mets chest. Ici, trap a chest, modeling patch. Je sais plus comment on pouvait faire ça, mais je crois qu'on peut faire un colossal chest. Je sais pas si c'est ça en fait. Je sais pas si c'est ça. On va peut-être tester. Colossal chest wall. Comment ça marche? Je sais pas du tout comment ça marche. On va essayer pour voir. On va prendre ça. Alors il me faut. Ok. Alors, use it to build a colossal chest structure. D'accord. Donc je crois qu'il faut poser tous les murs pour avoir un coffre colossal. Ce doit être ça, une connerie comme ça. Par contre, il me faudrait une arme pour tuer les mobs. Comme ça, on sera un peu tranquille. Donc, tac. Hop, est-ce qu'on a de la cobblestone? Non, on a de la stone. Non, je peux pas. Bon bah tant pis, hein, sera une épée en bois et puis voilà, que voulez-vous que je vous dise les amis. Sinon, si on n'arrive pas à faire le colossal, on va se faire quand même un coffre normal, voire deux. Hop, je vais y arriver. Ok, donc on a trois coffres, un hopper, les pièges et le mob fan. Très bien. On va tuer les petits mobs.
puis on va automatiser tout ça. Oula, mais what? Alors, j'y viens pas souvent en fait. Et du coup, du coup, c'est blindé de mobs. Donc on va tuer tout ça. On risque d'avoir l'inventaire plein. C'est qu'on voulait pour mourir. Bon, c'est cool, ça va me donner des os. J'en avais besoin. C'est bon, il n'y a plus rien? Je crois qu'il n'y a plus rien. Alors, tout ça va se passer ici. Donc, on va péter ça. Alors, attendez. On va se mettre. Non, on va péter. Quoi que non, on va se mettre ça là. J'espère pas me gourer en fait, c'est tout. On va se mettre. Oh fuck. On va essayer, voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lumière du tout, du tout, du tout. On va se mettre un hopper ici. Ah mais c'est pas bon. Si. Si, je crois que c'est bon. On va se mettre le mob fan. Alors je sais pas s'il va fonctionner autant de là, mais bon, on espère. Le mob fan ici. Ici, j'ai dû faire une longue pause et en plus de ça, je pensais que ça tournait, mais en fait, pas du tout. Du coup, j'ai avancé en fait sans vous, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que ben, vous puissiez le refaire si vous en avez envie. Alors, j'ai automatisé la ferme à mob. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au milieu le hopper, un coffre avec le transfert node. Voilà, j'avais pas le nom en fait. Le transfert node, etc. jusqu'au coffre ici, qui tue les mobs automatiquement. Donc, une fois que les mobs sont morts, donc on a ici, pardon, le ventilateur avec un petit levier. Le ventilateur, c'est le mob fan qui va pousser les mobs jusqu'au point joystick ici. On a de l'autre côté un autre ventilateur qui pousse les mobs vers le milieu. Les mobs meurent ici avec les point joysticks. Et ensuite, ça va dans le hopper, ça va dans le coffre, puis ça vient ici à l'intérieur. Ok, il n'y a rien. Donc voilà, on a une Ender Pearl. Je crois que j'ai eu des os, etc. Je suis mort tout à l'heure. Je suis mort en essayant de mettre les transfer pipes. Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit. J'ai une autre tombe, je suis mort deux fois. Donc en fait, j'avais mis de l'eau et sans faire exprès, j'ai mis le transfer pipe au-dessus de moi alors que je voulais le mettre juste à côté. Et du coup, l'eau s'est coupée et donc je me voyais descendre petit à petit, petit à petit. Enfin bref, voilà. Je suis mort bêtement ici, ce qui est fort dommage. Donc voilà, on a automatisé. La chambre à mob, enfin, ouais, la chambre à mob, ce qui est pas mal du coup, puisqu'on va avoir des items. La petite Enderperle qui fait plaisir, on verra ça un peu plus tard. On va prendre l'Inferium Essence, puisque on aura besoin sûrement dans le prochain épisode. Donc voilà, la ferme à mob qui est automatique avec les mob fans, le pangélistique, le hopper. Il y a plusieurs manières de faire. Moi je fais comme ça, c'est une des manières les plus simples. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement agrandir la chambre à mob. Je ferai plusieurs salles et voilà plusieurs hoppers etc. Pour avoir un peu plus d'items tout simplement. Donc là si on regarde un petit peu l'achievement book au niveau du Stone Age parce qu'on avait fini le Wood Age, au niveau du Stone Age on avait deux objectifs. Upgrade your mob farm to kill monsters automatically. Donc voilà, améliorer la ferme à mob pour tuer les monstres automatiquement. Donc ça, c'est fait. Il nous reste qu'un truc, c'est upgrade an existing tinker tools with a metal part. Donc là, en fait, il faut améliorer un outil de tinkers qu'on a déjà avec une partie métallique. Le problème, c'est que je n'ai pas fait d'outil tinker construct. Donc en fait, on va directement
en crafter un. Oui, en crafter un outil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, hop, les golds qui sont ici. Merci, t'es gentil. Tac. Et on va se faire des parties avec de la stone. Alors, attendez. Là, déjà, on va faire chauffer l'or. Hop. On va faire chauffer. Mince. Je me suis trompé. J'ai pris le gold or piece alors que je voulais prendre ça. Voilà. Hop, hop. Donc, on va faire chauffer ça d'abord, dans un premier temps. Boum. Et puis, on va enlever ceci pour le moment. Donc là, on va faire par exemple une mattock. C'est ce que j'ai besoin surtout. Donc, la mattock, la mattock, la mattock, la mattock. Est-ce que j'ai de la... Ouais, j'ai de la cobblestone. La mattock, c'est ici. Donc... alors attendez. J'ai ce qu'il faut. Donc on fait ça et ça. Voilà. Ensuite, la tête de pelle et la tête de hache. Voilà. Donc je remets ceci dans le chest pattern. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais caler un par un pour faire les moules. Ça fonctionne pas. Ah non. Voilà, c'est ça. Pour faire les moules. Donc faut faire que la cobblestone, sinon ça ne fonctionne pas. Impeccable. Ensuite, on va mettre le bâton. Et ensuite, il manquera la tête de hache. Ok. Et la tête de hache. Voilà. Impeccable. Donc là, si je veux, je peux me faire un outil en métal. Donc on a du fer normalement. Yep. On a pas mal de fer, donc on va le faire en fer. Et puis, un peu plus tard, on le fera en alumite. Je crois que l'alumite, c'est le meilleur, en fait, le meilleur outil, le meilleur métal qu'on puisse avoir avec Tinker Construct. Donc on le fera plus tard en alumite. Je pense pas avoir ce qu'il faut pour le moment en fait. Donc tac, il nous manque la tête de pioche. Hop. Et on a notre mattock en fer. C'est déjà ça. Merci. Vous êtes fort sympathique. Ce qu'il me faudrait là, ce serait un petit coffre des familles. Donc on va se faire ça. Comme ça on met tous nos patterns à l'intérieur. On va faire ça là et on va mettre ceci. Impeccable. Donc, on fera une épée, on fera une pioche un peu plus tard. Là, où est-ce que c'est déjà? C'est ici. Donc, tac, tac et tac. Et on a notre Iron Mattock. Impeccable. Ce qui fait en fait qu'on a terminé. Ce qui fait qu'on a terminé, hop là, le Stone Age. Donc maintenant qu'on avait une source de blocs, c'est le moment d'améliorer et d'expand. Comment dire, expand. Je sais pas comment dire en français. Bref, d'agrandir en fait notre plateforme. Tac, on va manger un petit peu, n'est-ce pas? On va se faire chauffer de la bouffe. Bon, c'est plutôt cool d'avoir la mattock en fer. On va se faire chauffer de la bouffe. Puisque ouais, j'arrêtais pas de faire des haches en bois et c'était un peu relou. Donc voilà, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que... Voilà, maintenant qu'on a terminé le Stone Age, on peut s'attaquer au Farming Age. Et... alors normalement, ça a du spawn, puisque pendant que j'ai fait mon petit AFK... j'ai mis... Enfin, c'était pas vraiment un AFK, j'étais en train de parler à quelqu'un, enfin bref. Et du coup, voilà, j'ai mis des barrières de partout. Et on a des poulets. On a des poulets qui ont spawn, ça c'est plutôt cool. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de l'eau. Et on va commencer à utiliser le mode Several Crop, je crois que c'est ça. Faut savoir que je l'ai jamais utilisé.
Ouais, Several Crops. Jamais utilisé, donc on va voir ce que ça donne, clairement. On va voir ce que ça donne. Alors. J'ai pas de torche. On va mettre. On va mettre. Un bloc au fond. Voilà. Au cas où si je tombe une. Connement une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Vous avez vu que les poules drop. Drop ceci. Le chicken manure. Donc je pense que c'est leur petit cacounet, n'est-ce pas? Et du coup, bah, je sais pas exactement ce qu'on peut faire avec. Chicken manure block, on peut fertiliser, enfin avoir de la terre fertilisée, donc du coup je pense que ça poussera un peu plus vite dessus. On peut faire du compost avec. Ok, bon on peut faire quelques trucs, c'est plutôt sympa. Alors là, ce qu'il me faudrait, ce serait une torche au milieu. Donc je vais récupérer. Un peu de charbon, comme ceci. Tac, on va faire ceci, voilà. Et ensuite, on va s'occuper de. Ah mais non, mais j'avais des torches. J'en avais pas mal d'ailleurs. J'en avais 15. Ok, on va placer une torche par ici, on va la placer là. Et ensuite, alors, on va s'occuper de Several. Sévéral, ouais, c'est ça, non? Et si je mets crops, ça fonctionne pas non plus. Bizarre. Sévéral crop, c'est ça le nom du. Sévéral crops. Ok, mais en fait, il veut rien savoir. Ah, c'est Mystical. Agriculture, je crois que c'est ça, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Mystical agriculture, non. Ok, Mystical agriculture. Tier 2, tier 1. Base crafting seed. Ok, ça doit être ça. Alors, il nous faut une graine normale et il nous faut ceci, Prosperity Shard. Comment est-ce qu'on a ça? Ah, on en obtient en tamisant du sable. D'accord. Why not? Bon, ben, on va faire ça rapidement. J'ai un gros marteau. J'ai un gros marteau. Donc, ouais, on va se faire ça rapidement. On va essayer d'avoir des Mystical Shards. Il nous en faut 4 apparemment pour commencer. Hop, toi tu vires. On va en récupérer assez. Hop, et donc on va péter ça d'abord. Ok. Alors on peut peut-être. Avoir les sortes de sticks. Je sais plus comment ça s'appelle. On va voir si c'est possible. Je pense pas, mais. Je sais pas s'ils sont disponibles. Il y avait des. Non, block of stick. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est apparemment pour les poulets. Ceci, c'est apparemment pour les poulets. Hatchery Nest. Ok, donc il faut que je me fasse pas mal de blé. On verra ça, je pense, un peu plus tard. Alors, tac, hop, et hop. D'accord, et là on aura du sable. Alors, normalement, on devrait facilement en avoir 4. Et je peux peut-être faire pousser du blé aussi de l'autre côté. Donc on a assez de seed. Je risque de ne pas avoir assez de place. Donc on va mettre ça, 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 la gunpowder.
tout ce dont on n'a pas besoin en fait. Les œufs, ceci et ceci. Ok, comme ça on a un peu plus de place. On va tamiser directement sur cela. On va pas faire de compressed. Parce que tout à l'heure en fait j'ai fait de la compressed et je sais pas pourquoi j'ai pas eu de bonne mille. Donc là je me dis. Oh, attends, on cherche quoi déjà? Ouais, des mystical, mystical machin. Non, des shards. Shards, je sais plus quoi. Bref, on va trouver le nom. Et on en a eu aucune. Aucune shard. Ok. Allez. Aucune. D'accord. Alors tout à l'heure j'ai eu le petit bug comme je vous disais. Enfin des fois ça... Je sais pas si vous voulez, je vous l'ai dit. Mais des fois ça sort du truc. C'est pour ça que je l'ai fermé d'ailleurs. Des fois ça sort et j'avais retrouvé plein de bonnes mille ici. Gros bug, enfin voilà, des fois on tamise et ça part à 10 km. Là apparemment ça l'a pas fait, bref. J'essaierai de tamiser pas mal de sable pour avoir des mystical machin et pouvoir vous faire ça. Pour le moment, ben, on va essayer de... Attendez, hop, je vais poser ça. Et puis on va essayer de... Je dois avoir une chauve-souris à l'intérieur de ça qui doit être bloquée. Enfin bref. Hop, on va poser ça, ça. Ça et ça, et puis on va aller planter déjà du blé. Donc il nous faut du blé, il nous en faut pas mal. Apparemment, pour se faire le sorte de poulailler en fait, on va pouvoir faire un poulailler. Donc why not? Je connais pas vraiment le mode des poulets. Enfin, il y a plein de modes que je connais pas avec cette nouvelle version. Oh, on a un zombie ici. Salut toi, viens. Ok. Donc. J'en mets 6, vous savez quoi, je vais en mettre 6. Je vais mettre les 6, de toute façon j'aurai plus de blé après, donc voilà. Ok. Très bien, donc on commence un petit peu le farming. D'ailleurs, on va pouvoir tout poser, je pense. On a des carottes, des pommes de terre, des trucs. On va voir ce qu'on va poser. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a melon seed, carotte seed, why not? On va pas tout poser en fait. Et potato seed. Barley, ça je sais pas ce que c'est. C'est avec Pam Averscraft, donc je pense que c'est juste la déco. On va planter des carottes. On va planter deux melons. Ok, on va faire ça. Voilà, donc ça me fera un peu de bouffe. Et puis après on automatisera les fermes, comme ça on aura de la bouffe automatiquement. Hop, on va poser ici les carottes. Et puis. On va poser les melons ici. Très bien. Donc, eh bien, voilà les amis, on a commencé un petit peu. Un petit peu la ferme. Prépare un farming space for several crops. Donc ça, je vais essayer de farmer pour en avoir. Craft un Aferium Seed. C'est pas encore fait. Faire une mattock, ça c'est fait. On a une Iron Mattock. Start a food farm, donc ça c'est fait. Un de Aferium Essence Farm, donc ça ce sera pour la prochaine fois. Use nesting pens to automate resource collection from chickens. Ça c'est ce qu'on va faire, je pense, dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, donc, on va faire tout ce qui est de l'âge de l'agriculture. Et puis voilà. Prove to the world that sand grows sugarcane faster than dirt with a block of snad. Ça, je connais pas du tout, on verra. On verra ce que c'est. Bref, voilà les amis. Petit épisode tranquillou où on s'est fait la ferme à mob automatique. On a amélioré. On s'est fait une mattock en fer. Je ferai sûrement une pioche en fer ainsi qu'une épée. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal perso. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans le prochain épisode, les amis. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao la team!